Plus de 50 communes des villes de l'intérieur viennent de bénéficier du matériel de salubrité. L'initiative est du Fonds de financement du programme de salubrité urbaine, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Cette action rentre dans le cadre de l'appui aux collectivités territoriales, appui que le ministère en charge de la salubrité fait depuis quelques années maintenant et qui va permettre à nos communes qui en ont vraiment besoin d'être dotées en matière de salubrité pour collecter les déchets, pour les transporter et nettoyer les espaces et puis rendre notre environnement beaucoup plus sain. La santé de l'homme dépend en grande partie de sa condition d'existence, c'est-à-dire son cadre de vie, son environnement immédiat. Avec ce matériel, les communes seront de plus en plus propres, une promesse faite par les bénéficiaires. C'est une bouffée d'oxygène que nous avons pour nous, les communes qui n'ont pas un budget assez fourni. Nous allons essayer de nettoyer nos villes, de mettre de l'ordre. C'est vrai, l'État fait beaucoup en nous octroyant des budgets, mais lorsque on reçoit ce genre de matériel aussi, c'est un grand plus pour nous. Ça nous permettra effectivement de satisfaire notre population. Le directeur général du Fonds de financement du programme de salubrité, Simi Gildas, compte entreprendre des missions de suivi-évaluation dans toutes les communes bénéficiaires pour constater si le matériel est utilisé à bon escient.